quelqu'un vous dit non, vous arrêtez, vous allez faire à l'os, changer de. Vous êtes des entrepreneurs dans ce temps-là. Il faut toujours continuer, toujours regarder. Puis là, ça devient complexe. Parce que des fois, quand tu rentres dans des entreprises, là, c'est pas juste le président que tu convaincs. Là, tu as le VP marketing, après ça, tu as le VP IT, puis tu as le VP C, puis tu as le VP ça. Puis ils ont toutes une façon de dire oui, ou dans le succès, toute une façon de dire non, puis ils ne veulent pas te dire oui, right? Fait que là, on a créé un petit vidéo, nous autres, ça fait longtemps ce petit vidéo-là, mais il est toujours bon. Excusez-moi, il est en anglais, mais vous allez comprendre. Puis là, là, de se dire, regarde, à un moment donné, il faut jamais lâcher. Nous autres, on s'est dit, imagine-toi, si le gars qui est parti Starbucks, parce que ça, c'est vrai, Starbucks, vous savez, il travaillait dans un endroit où il faisait du café vite. Imagine-toi comment il a dû se faire dire non. Puis si il n'était pas allé au bout de ses rêves, aujourd'hui, on n'en verrait pas de Starbucks. Fait que, mesdames et messieurs, sans plus attendre, un petit vidéo.